les 5 années qui viennent de se dérouler ont démontré que j'étais un député extrêmement actif et compétent. Et j'ai fait mon boulot de maire adjoint de la même manière. Peut-être qu'il serait utile pour lui de faire un petit retour en arrière, parce que si le député que je suis de la circonscription n'était pas intervenu sur les questions financières dans les derniers mois de cette législature, la ville de Colombes aurait été mise à l'amende de 4 millions d'euros sur un dispositif fiscal qui, sans mon intervention, et j'ai été le seul parlementaire à intervenir, aurait été mis en œuvre. Et donc j'ai bien défendu la ville de Colombes. Et pour une raison simple, c'est parce que je connais bien ce que sont les mécanismes des finances locales que je vis ces dossiers-là ici aussi.